You know I can do whatever, wherever, and ever. You're my treasure. Forever, you and I will live together. Boy, I wanna be with you. Tell me anything I would do. For you, I'll be a fool. I'll fool brand new and I'm with you. Boy, I wanna be with you. Tell me anything I would do. For you, I'll be a fool. I'll fool brand new and I'm with you. Come to me, play with me. Ah, bonjour. Pardon, oui. Est-ce que Monsieur Jim est là? Je peux le voir? Et qui êtes-vous? Je suis charpentier, son charpentier. Il m'a demandé de fixer un lieu pour lui. Il m'a demandé de l'amener ce matin et voilà, je l'ai amené. Ah, ok, malheureusement, il n'est pas là. Ces derniers temps, il quitte très tôt pour le boulot. Madame, n'a-t-il pas laissé un peu d'argent dès que je me présente et vous me le donnez? Non, rien du tout. Pourquoi? Oh mon Dieu. Madame, pardon, je sais que ça peut être un dérangement, mais s'il vous plaît, je vous en prie. Pouvez-vous me donner 20 Ghana, comme ça je vais payer ce chauffeur. Sinon, madame, si vous ne faites pas ça, je serai mort. Je vous en prie, je n'ai rien sur moi. Désolé. C'est un peu difficile parce que je ne vous connais pas. Où? Je ne vous ai jamais vu. Et qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas escroc? Ah, madame, comment ça escroc? S'il vous plaît, regardez le lieu au coffre de la voiture. Je ne suis pas un escroc, madame. Désolé, tu me fais perdre le temps. Oh, mais je viens, un peu de patience, j'arrive. Madame, pardon, je vous en prie. 20 Ghana, s'il vous plaît. Oh, madame. Oh. Oh. Ah, je dois aller prendre les enfants de mon boss. Viens, mon frère, tu vas m'aider. Mon frère, je t'en prie. S'il te plaît, je t'en prie, fais-moi une faveur. Tu vois, l'argent que j'étais venu chercher, malheureusement, je ne l'ai pas pris. Maintenant là, je te jure, je n'ai rien sur moi. Même si tu me frappes, tu me soulèves là, tu bouges, tu n'auras pas l'argent. Je n'ai rien sur moi, mon cher. Alors, je t'en prie, t'as vu l'endroit où tu m'as pris aujourd'hui? Je t'en prie, s'il te plaît. Viens demain matin, tu auras ton argent, s'il te plaît, je t'en prie. Ok, bon, combien tu as là? Pardon? Je dis maintenant là, tu as combien? 6 CDs. Donne-moi ça. Oh, comment ça? C'est tout ce que j'ai comme argent. Oui, je sais, donne-les-moi. Merci. Merci. Alors, aide-moi à descendre ça. Ok, c'est bon. I know that you know that. You love me. Anything that I think before I say, before I wait, could you fall out of me, young girls? You chose me to be your girl. Oh God, is this real? Out of me, young girls. You chose me to be your girl. Oh God, is this real? You show me true love, true love, true love. Send me, girl. I'm the girl, you love me, everything that you do for me. Many, many girls I see. I'm worried you leave me, cause so easy to sex for a girl like me. I'm lucky that you love me, everything that you do for me. Many, many girls I see. I'm worried you leave me, cause so easy to sex for a girl like me. Let me show you, do, let me show you, do, let me show you, do. Tu es encore là? Oui, madame, j'attends monsieur Jim. Ne vole pas des trucs dans ma maison. Oh, non. Je connais très bien ton visage, je pourrais t'identifier à la police. Oui, madame. Au revoir, madame. Bonne allée, madame.
Tu n'es même pas de mon niveau. Bonjour. Oui, bonjour. Le pain, je peux acheter des Ngana City. Ouais. Oui, serve-moi, je dois manger. C'est frais? Oui, il est frais. Tu es sûr? Oui. Oh, ne me trompe pas. Ne soyez pas inquiet. Ne pourras-tu pas me mettre de la margarine? Oh, un peu de margarine? Ah oui, je t'en prie, bien que j'ai pas assez d'argent, hein? D'accord, c'est pas un problème. Oh, ce pain n'est pas frais. Oh, tu m'as menti, c'est pas frais. Non, il est vrai. Tu es sûr? Oui. Non, non, ne mets pas ça là-bas, t'inquiète. Pas de quoi. Merci, des sachets d'eau pure. Oui. Ok, tu me remets deux Ghana Cedis. Oui, merci. Oh, je vous en prie. C'est quoi ton nom? Notola. Oh, Notola. Quelle soupe! J'avais vu tes appels en absence. J'avais du pain à la plage et je ne pouvais pas décrocher. Ça va, c'est pas un problème. Tu m'avais tellement manqué, je me demandais pourquoi ne pas t'entendre. Et comment ta journée? Ne m'en parle même pas. Et pourquoi? J'avais fini le lit de James. Je suis allé lui donner pour qu'il me paye mon argent. Je suis arrivé, il n'était pas là. Blague à part, j'étais là toute la journée. Je te dis vrai, c'est pas une histoire marrante. J'étais là jusqu'à son retour. Je ne l'ai pas trouvé. Ça ne doit pas te faire rire. J'étais là du matin au soir. Oh, tchaï, désolé. Et toi, comment ton shop? Très occupé maintenant. Je dois partir. Avant que je ne sois en grand retard. Et finis vite ton repas. Je passerai récupérer mon assiette demain. Ok. Mais tu as bien préparé, oh. Pourquoi tu ne l'as pas goûté? Je veille sur ma taille. Ah, vraiment. Allez, finis ton repas. Fini pour aujourd'hui, je vais garder ma taille. You all bad, expect nothing at all. They are all you think of.
words that make you feel so great, even when there's nothing to live for today. You are. Mange bien ta nourriture, hein? Termine toute cette nourriture, ok? Laisse-moi te servir à boire. Non, laisse-moi me servir. Ok, à la prochaine. Bye bye. Prends soin et travaille dur. Les lois et gota langaï. Les kambozani. Merci, papa. Ce n'est pas un problème extraordinaire, c'est juste que, vous le savez, vous êtes d'accord avec moi et depuis que j'ai fini mes études, je n'ai jamais eu un travail décent et c'est difficile, je suis vraiment bloqué. Vous-même, vous m'avez dit que si je suis dans le besoin, je peux venir vous dire pour avoir un peu d'argent, et spécialement maintenant, je me sens pas du tout bien. Alors je suis venu vous voir, comme ça vous allez me donner ne serait-ce que quelque chose, comme ça j'irai demain à l'hôpital. Et aussi je ne voulais pas venir le dimanche parce que je savais que le dimanche souvent vous partez à l'église. Voilà l'objet de ma visite. Oui, j'étais à l'église, c'est ça ma vie. La prière est très importante pour la vie d'un homme. La prière est un remède à tous les problèmes. Parce que... on s'adresse à un être suprême qui voit ce que nous ne pouvons pas voir. Toi, tu détestes l'église. Alors comment vas-tu voir les choses qui ne se voient pas avec ses yeux? Lorsque je prie, il y a des miracles qui s'opèrent. Tout le monde glorifie l'Éternel lorsqu'il me voit prier. Lorsque je dis Amen, tout le monde se sent concerné. Le pasteur, les apôtres et tous les membres de l'église. Tout le monde se sent concerné. Laisse-moi te dire, mon fils, c'est pas plus fort que la prière. Vas-y, dis-moi, c'est quoi ton problème? C'est pas ça. Et je sais que cette saison vous a été très favorable. Donc je sais que vous avez l'argent. J'ai juste besoin de quelque chose pour aller à l'hôpital avant que cette maladie puisse devenir grave. C'est tout? Oui. Tu es un gradué. N'as-tu pas des contacts? Oui, je le suis, mais mon diplôme ne m'a encore rien donné. Oh, je vois. Moi aussi, tel que je suis là, je n'ai rien du tout. Je n'ai vraiment rien. Tout ce que j'avais, tu sais que je l'avais investi dans ma ferme. Donc, tel que je suis là, je n'ai rien. Ata kolia à Pamba Oy. Et comme il y passe? Ben oui. Oui, la situation n'est pas bonne du tout. Tu souffres de quoi? Ah, laisse-moi voir. Ça peut être une maladie spirituelle. Oui, je connais un homme de Dieu, Utempe Chey. Lui, il est spécialiste. En guérison des maladies spirituelles. Papa, pourquoi vous êtes si difficile? Pourquoi vous êtes toujours difficile? C'est comme si tu ne m'écoutais pas. Ce que je te dis est vrai. Tu as choisi un très mauvais moment. Un très mauvais moment, je te dis. Ah, si toi, les gradués, tu n'as rien comme argent, alors moi, un simple illettré, comment veux-tu que j'aie l'argent? Tu ne comprends pas? Ago. Amen. Bi. Babo. Bio. Bi. Babo. Bio. Bi. Très longtemps. Vas-y, mets-toi. Bonsoir, mon ami. Toi, pousse-toi là-bas. Ah. Ah. Comment, papa? Né. Boni, et salim, Mikolo Bele, aux yeux à côté de la ngate. Nlika monine. Ah, papa, ma kambo, Bele, ka yo, sala. Oui, tu es un bon ami. Je suis un. Oh, c'est mon propre fils. Ne t'inquiète pas. Ah, je suis un bon ami. Je suis un bon ami. Je suis un. Oh, et ça pour Yangonde Oye Awa? Yangonde Benda. Ah. Je suis un bon ami. D'accord. Oui, je suis un bon ami.
peine à profiter na solana. Il ne faut pas hésiter. Lorsque tu as quelque chose à me donner, il faut venir me voir. Il n'y a pas de quoi. C'est ça la vie. C'est ça. Papa Mouké, yangoyo. Iyo. Mon fils, que Dieu te bénisse. Iyo. Si tu ne fais pas ça, hein, pourquoi devrons-nous rester amis? C'est comme ça que les amis se comportent. Effectivement. Mbalasima, tanga rozozoa, oye, ou me la te, mbongo ou me la rate. Aussitôt trouvé, aussitôt donné. Merci papa. Tu vois, à n'importe quel moment. Viens, moi, je ne sors pas. Je suis toujours, toujours à la maison. Merci. Merci papa. Merci. Je pense que vous avez bien compris. Prenez soin de vous. Yo. Bon, allez. Prends soin de toi, hein. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, hein. Comme je te disais, je n'ai rien comme argent. Rien du tout. Mon fils, je ne sais pas si tu es malchanceux. Tu es venu à un mauvais moment. Essaye de revenir à la fin, à la fin du mois. Peut-être que je trouverai quelque chose pour toi. Ah, mais papa, votre soi-disant ami vous a donné une somme d'argent. Et tais-toi. Toi, tu l'as vu me donner l'argent. Même si tu l'avais vu, me donner l'argent. Est-ce que c'est ton argent? Qu'est-ce qui te concerne ici? Écoute, reviens ici le mois prochain. Je verrai ce que je peux faire pour toi. Et où vas-tu? Ah, je suis venu demander de l'argent. J'avais dit qu'il n'y en a pas. Que dois-je faire encore? Le mois prochain, et plutôt à la fin du mois, je vais trouver quelque chose pour toi. N'importe quoi, universitaire, gradué. Malgré tout ça, tu viens chez moi pour me demander l'argent. Maintenant, à quoi sert tout ce que tu as fait comme étude? Zoba mobali et tout la mobali à Zangambongo. Mon salané kosenga bat. Reviens ici le mois prochain, même à la fin du mois. Tu me trouveras ici. Kojo, hein? Kojo, dépêche-toi. Abby, hier, est-ce que madame avait demandé après moi? Tu as de la chance. Elle n'était pas passée à l'atelier hier. Oh, Dieu merci. Donne-moi mon argent que je t'avais prêté hier. J'ai besoin d'argent. Maintenant? Écoute, ma petite tomate. Je promets que je vais te donner ça après, ok? Je l'avais donné à Kujo la nuit dernière. Kai! Je suis sûre qu'il y aura un miracle et je serai capable de te payer ton argent, s'il te plaît. Hein? Tu as pris l'argent d'autrui et tu as donné à ton vaurien de petit ami. Angela, je ne te permets pas de parler ainsi à mon petit ami. N'essaye pas. C'est bien moi qui ai pris l'argent et non pas Kujo. Ne crache pas de bêtises sur lui. Prendre l'argent ne concerne que moi et Evelyne. Ce ne sont pas tes oignons. Ok, oh, désolé. C'est bien que tu le dises. Désolé pour toi-même. Tu n'iras pas à la collation de grade académique de Bertrand? Evelyne a dit qu'elle ira, n'est-ce pas, Evelyne? Je serai là-bas, papa. Demande plutôt à Madame Fidèle. Je pense pas qu'elle viendra. Je ne pense pas que je vais y aller. Je vais passer quelques temps avec Boudjou. Hey! Ça commence quoi? Hey! Toi et ton petit ami. L'amour va te tuer, ou... je ne dirai plus rien, ou... Garde-la fermée. Je ne parlerai plus. Salut. Hey. Oui, bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Chérie, ça s'est lit sur ton visage que tu as un problème et tu ne veux pas me le dire? Comment y parvenir? Regarde-moi. À mon âge, avec mon diplôme, je ne sais pas trouver un emploi.
Je suis allé partout. J'ai partout essayé, j'ai tout essayé, ça échoue. Je ne sais plus quoi faire. Pourquoi moi? Tu n'espères plus en Dieu? C'est ça? As-tu oublié les accords que tu avais signés avec Dieu? Nos pensées ne sont pas ses pensées. Oui, il a finalement une solution pour ça. Kodjo, Dieu bénit chacun de nous selon ses plans. Si tu ne trouves pas ta bénédiction, comprends que ce n'est pas encore ton temps. Il le fera au moment opportun. S'il te plaît, ne désespère pas. Ok. J'ai vraiment foi en toi et je sais que ça marchera. Ok. Tout va changer. Ta situation changera pour le mieux. Minute. Les voir. Quand je lui ai demandé mon argent, elle m'avait répondu qu'elle n'avait pas d'argent. C'est incroyable. Maintenant, elle donne à ce garçon stupide de l'argent. Hey, écoute, elle doit te le rembourser. Elle doit te rembourser ton argent aujourd'hui. Elle a une tête qui ne fonctionne pas du tout. Sérieusement. Hey. Hey, te voilà. Comment ça s'est passé? Toujours la même chose. Hmm? Partout où je vais, on me rejette. Je ne sais plus quoi faire. Mais le chef se retrouve partout dans ses bureaux. Je suis voilé. Relax. Alors, tu es désespéré par rapport à la situation? Hmm? Non, je ne suis pas découragé, non. Même si je le suis. N'est-ce pas une raison pour ça? Crois-tu que je dois toujours être un mendiant à qui tu donneras l'argent chaque instant? Pendant que je peux aussi t'acheter des habits comme tout autre homme. Même louer un appartement très formidable où nous allons vivre. Ou t'acheter une machine à laver au lieu de les faire pour moi comme ça chaque jour. Hein? Dieu seul a les contrôles. Voilà, tu reprends encore. Tu reprends encore. Tu as toujours dit « attendons le temps des dieux ». Mais qui sait à quand le temps des dieux et qui dit que ce temps-là sera mieux? On ne va pas s'éterniser avec ça, c'est bon, oui, ça suffit. Tu as raison. Ah, laisse-moi m'échanger. Priscille? Angie? Je ne t'ai pas remarqué. Vraiment, tu m'as effrayée. Priscille, s'il te plaît, prends place. S'il te plaît, installe-toi. Tu m'as effrayée. Ah. Rends compte. Priscilla, es-tu normale? Qui? Non, est-ce que tu vas bien? Y a-t-il un problème? Tu me demandes s'il y a un problème. Le même homme, tu cuisines pour lui.
Tu lessives pour lui. Tu lui donnes de l'argent. Tu lui as même donné ton cœur. Mais qui pourra le faire à cette époque où nous sommes, Priscilla? Tu as tout donné à un seul homme. Et s'il brisait ton cœur? Non, Angie. Si je comprends très bien, tu t'es déplacée de chez toi? Tu y es montée à bord d'un taxi pour me faire la morale sur coup de Thompson? Oh, Angie, un peu de retenue. Aujourd'hui, il est tout le temps derrière toi parce qu'il n'a rien. Avec toute sa beauté. Et s'il t'abandonnait un jour? Priscille, tu fais tout ceci pour un homme. Comment peux-tu faire ça? Tu as gagné au... Tu as gagné au... Applaudis-toi. Tu as gagné au... Priscilla, comme je viens de te le dire, je parlais de la lotion softness, te souviens? Je crois que tu dois le recommander aux clients. Parce que je trouve que c'est une lotion qui rend la peau vraiment, vraiment douce. Ils vont vraiment aimer. Ce n'est pas ce que tu racontais. Que veux-tu? Hein? Que veux-tu? Chaque jour, c'est une autre histoire. Chaque jour, tu cherches à inculquer des bêtises dans sa tête. Toujours diabolisé. Hein? Que veux-tu? Hein? C'est bon, mon chéri. Ne m'arrête pas. Ne me défends pas du tout, s'il te plaît. Je veux savoir la finalité de sa démarche. Chaque jour, en train de raconter des bêtises à mon nom. Je suis le seul homme malchanceux. Hein? Dis-moi. Thompson? C'était juste un conseil entre amis. Conseil. C'est un ami, n'est-ce pas? Tu essaies de la convaincre pour aller trouver un autre homme. Un homme plus riche que moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que tu veux achever? Hein? Que ce soit ta dernière fois d'oser parler à mon nom. D'ailleurs, ne viens même plus ici. Tu m'entends? Tu comprends ce que je te dis? Alors sors d'ici. Hé, hey, dégage, sors d'ici. Je te demande de partir d'ici. Arrête ça, pourquoi? Que je te voie encore ici. Je n'ai pas apprécié. Voilà, c'est ton ami. Salut. Encore toi? Que me veux-tu? Je viens sans rancune en tout cas. S'il n'est pas ici. Je le sais. C'est toi que je suis venue voir. Moi? Oui. Vas-y, parle. Tu travailles vraiment dur et j'admire cela. Ok. Thompson, je suis venue te demander pardon, ok? Tu vois, Priscilla est une amie très proche. Elle est ma meilleure amie. Et je ne supporterai pas qu'on lui brise le cœur. Tu attends que je la chasse? Je ne sais pas. Vas-tu? Vas-tu le faire? C'est toi qui as plutôt besoin de la voir avec un autre homme. Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Vas-y, fais-moi comprendre. Parce que tout ce que j'ai appris récemment de sa bouche, c'est que j'étais un homme bon à rien et d'ailleurs un escroc. Mais je lui ai dit en secret. Si tu crois que tu vas dire des histoires à Priscilla et qu'elle ne va pas me les dire, je te rassure que tu es bête. Je suis désolée, je te connaissais pas. Peu importe. Je ne te ferai jamais confiance. Je ne le ferai jamais. Je t'ai toujours prise pour traître. Oh, Thompson, je me suis déjà excusée. Je suis vraiment désolée, hein? Je suis désolée. Allez.
Es-tu vraiment sérieuse? Je n'ai jamais été si sérieuse. Donc, depuis tout ce temps, prétendant que tu me détestes, tu as un agenda caché? Je peux le comprendre maintenant. Et tu sais quoi? Je dirai à Priscilla le genre d'amie que tu es. Et je lui demanderai de ne plus te fréquenter. Vraiment? Veux-tu vraiment dire à Madame Chantilly quelque chose qui va lui briser le cœur? Si tu la crois vraiment innocente, alors tu ne sais pas en quoi tu es vraiment en train de te mêler. Ah oui? Je pourrais t'apporter des preuves. Des preuves imagées. Même si tu m'amènes des preuves imagées, je ne vais pas te croire. Alors, disparais d'ici. Thompson! Ouais, je t'avais parlé de ça. Je devais les garder loin parce que ces garçons sont terribles. Hein? Passer la machette. Non, je n'ai rien avec moi. Laisse-moi la chercher. Où est la machette? Je m'amuse avec. Thompson, je suis en train de penser que pourquoi ne pas aussi créer ou monter ta propre entreprise au lieu de continuer à travailler pour les autres en tout moment. J'aurais dû le faire si j'avais le fond, mais je n'en ai pas. Quoi, tu veux m'aider? C'était juste une suggestion. Tu sais quoi? J'ai vraiment un grand projet. J'ai un projet de créer une très grande quincaillerie. Ou peut-être une compagnie aérienne. Ok? Accra, Kumasi, International. Thompson! T'as de grands projets, tu sais, pour un charpentier. Posséder une compagnie aérienne? Waouh, c'est grand! C'est pas que je serai là comme pilote, tu vois. Je serai le patron en train de tout contrôler. Hein? Priscilla. Je te demande un service. Peux-tu m'escorter aller voir mon père? Je vais te présenter auprès de lui. Vas-y, s'il te plaît. Hein? Vas-y, dis quelque chose, même demain, après le boulot. Hein? On va partir. Dis-moi quelque chose, non? Hein? Il ne t'a jamais vu. Je veux qu'il voie la femme qui est à mes côtés. Si je marche, elle marche. Je pose un pas, elle me suit. Papa, bonjour papa. Oui, bonjour. Avance s'il te plaît. Bonjour papa. Au sujet de la conversation qu'on a eue la fois dernière. Conversation. Oh, je vous ai parlé d'une femme que je voudrais prendre en mariage. Oh!
Oui. La voici, je vais vous la présenter officiellement parce que... Ok. Ah mais s'il vous plaît, mettez-vous. Donc, papa, voici Priscilla. Priscilla, ça c'est mon père. Monsieur Tom Sihinya. Heureux de faire ta connaissance. Sois la bienvenue. Merci. En tout cas. Merci. Elle est belle. Papa. Elle est vraiment trop belle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu sais quoi? Si seulement tu n'étais pas la fiancée de mon fils, je crois qu'on allait m'arrêter pour viol ici. Oh. Heureusement que tu es sa fiancée. Oh oui, mets-toi. Oh papa, arrêtez. Merci. Ce n'est pas que je vais déshonorer mon fils. Mais... il n'a rien. Je veux dire rien. Donc rien du tout à te donner. Regarde, il n'a pas un lit. Même pas une paire de chaussures. Il n'a pas de travail. Bref, c'est un vaurien. Il n'a rien du tout. Regarde sa tête. Papa, je l'aime comme tel. C'est la chose la plus bête que je n'ai jamais entendue. Si seulement tu veux mourir, vas-y, épouse-les. Vas-y. Ha. Papa, pourquoi vous m'embarrassez comme ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Priscilla, tu as vu tout ce que j'ai vécu depuis que j'étais enfant. Papa, vous avez du vin à la maison pour notre invité? Ça ne peut pas manquer. Je sais que tu aimes boire. Va à l'intérieur. Priscilla, je sais que tu ne prends jamais du vin, mais tu vas essayer celui de mon père. Regarde, j'ai fabriqué ce vin de palme avec le main que tu es en train de voir. Oh oui, j'ai du talent. Tu dois les goûter. Okay. Oui. Mm-hmm. Mais tu vois mon fils, tu dois vraiment beaucoup l'aider. Ok. Il est un vaurien, ce garçon. Oh. Papa, je l'aime. Amoureuse. Tantine Abby. Ok, Tantine Abby. Ok, s'il te plaît, je peux te rappeler après. Ok, Tantine Abby, c'est bon. Ok. Priscilla, Tantine Abby vient d'appeler. Hé, hey, ce n'est pas fini. C'est ce que je suis en train de finir. Ok, accorde-moi 30 minutes, je vais finir. Comment veux-tu finir? Comment vas-tu finir? Comme tous les jours, Thompson. Ça et là, pourquoi? Ah! Angie, écoute, ne te mêle pas de mes affaires. Colle à moi et à Thompson, la paix! Écoute, si tu n'arrêtes pas, notre amitié va se rompre. Tu vas déclarer la guerre entre nous. Tu es fâché parce que je veille à ton intérêt? Ah, laisse-moi. Cherche d'abord tes propres intérêts, s'il te plaît. Pourquoi tu es si furieuse? Et pourquoi pas, Angie? Pourquoi pas? Si Thompson a préféré Priscilla, où est ton problème? Alors, toi tu veux de lui? Bien sûr que non. Alors, mêle-toi de tes affaires. Ah, je comprends pas. Ah. Nous sommes chez ton petit ami. Ça lui appartient. Il a gagné le jackpot. Priscilla, je vais me changer. J'arrive. Accorde-moi une minute. Je reviens. La chance t'a vraiment souri. Wow. Bonsoir, monsieur. Bon après-midi. Monsieur Rayford? Oui, c'est moi. Tu me connais? Oui, c'est moi, Priscilla. Priscilla Jacobton. Priscilla.
Priscilla Adjei. La fille de Bessie Adjei. On a habité le même quartier. Oh, Priscilla. Oui. C'est toi? Bien moi, oui. Oh, oh, oh mon Dieu. Oh, tu es un vrai grandi. Quelle surprise. T'es une grande fille, là. Oh, regarde-toi. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue avec ta petite amie. Je n'ai pas une petite amie. Comment? Je t'ai dit vrai. Je vous apporte à boire, ok? Ok. C'est bon. Evelyne, fous-moi la paix. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je suis déçue de m'être retrouvée dans ça. Dis-moi pourquoi est-ce que tu avais changé ton attitude? Tu m'as beaucoup déçue, Priscilla. Tu m'as vraiment déçue. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Quoi? Tu es bénie partout. Tu es belle. Tu es un beau garçon. Tu ne manques de rien. Et tout ça en un seul coup. Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un homme. Et tu me l'as piqué en un clin d'œil. Je ne l'ai pas fait, Evelyne. Tu as tapé à côté? J'ai tapé à côté. J'ai tapé à côté. Priscilla, j'ai été de ton côté plusieurs fois. Je t'ai défendu plusieurs fois. Je t'en prie. Priscilla, n'essaye pas de le faire. N'essaye pas. Je n'ai rien à faire avec lui, tu es juste jalouse. Quand tu n'as rien à faire avec lui, reste loin de lui. Et je ne veux plus que tu le revoies. Tu n'aimais pas me demander ça? Priscilla, c'est ça ta réponse? C'est bien ça ta réponse. Si je peux m'en souvenir, c'est juste à cause de notre amitié. Tu sais comment tu es en colère quand les gens font des avances à ton homme, n'est-ce pas? Et Ford n'est pas mon homme. Au fait, il fut ami à mon défunt père. Oh, alors Thompson, c'est ton homme. Thompson t'appartient, Priscilla. Il a déjà vu tes parents. Il t'a épousé. Il t'a placé une bague au doigt. Il a payé ta dot. Priscilla, dis-moi, ça te fera comment de voir une autre fille t'arracher Thompson en disant que Thompson n'était pas fait pour toi? Comment vas-tu te sentir? Dis-moi. C'est lui le propriétaire de cette maison? Oui, pourquoi? Laisse-moi faire. On doit fermer jusqu'à ah, non, assez, laisse, c'est fini, laisse. La ferme, laisse-moi faire. Ce n'est pas ton nom, laisse-moi oui, faire. Oui, la terre est intéressée. Hé, hey, Priscilla. Ça, c'est vraiment une surprise. Oncle Ford, je te présente mon fiancé, Kojo Thompson. Il a une bouche, laisse-le se présenter lui-même. Oui, je m'appelle Kojo Thompson, monsieur. Alors? Donc, vous m'avez demandé de venir. Thompson, j'espère que tu es un bon garçon. Oui, monsieur. Et que tu aimes vraiment ma nièce. Oui, oui monsieur, je suis très content de vous rencontrer par son canal. Bien. Je voulais juste que tu saches que si tu me fais du mal, tu me fais du mal. Je ne vais pas vous laisser croire, monsieur. Prenez votre thé, un thé spécial des Chinois. Priscilla me disait que tu as un projet que je devrais voir. Oui, monsieur. Je peux vous le donner. Vous pouvez le lire seul. Okay.
Fame is trouble, money is double, but I am able to maintain my level. They call me Queen Leah, cause the nose of me spit fire. And when me coming on the yard, Babylon the runway, me them scatter. Money talk, but what she's worth. When me make money, me a change this world. Me now gonna fuck, me go on rapping up. Me now gonna give up, I tell me get it down. I'm a my head up, my hands up, cause I'm gonna make it. My head up, put my hands up, cause I'm gonna make it. I'm good for the gold, that's why I keep my eyes on the road. Sometimes I'm falling cold, but I sleep. Ah. Je suis vraiment impressionné. Très, très impressionné. Je me demande seulement si tu peux terminer ça avant que les Chinois débutent leur projet. Vous avez ma parole. Je vous promets, ça sera sûr. Fait. Je vous donne ma parole. Tu es sûr? Oui. Donc, je dois risquer tout mon argent seulement sur ton travail? Je sais, je vous le promets, c'est promis. Tu es sûr de ce que tu vraiment dis? Vraiment sûr. Bon, tu as déjà fait un très grand progrès. Merci. Oui, bien. Je compte sur ton travail. Je compte sur ton travail. Oui, oui, monsieur. Est-ce que vous allez quelque part pour que je puisse vous déposer? Oh, non, 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 ne vous en faites pas, monsieur. Nous allons nous débrouiller nous-mêmes. Nous restons ici surveiller les choses. T'es sûr? Et après, j'irai chez Priscilla. Oh. Et Priscilla, comment ça avance entre vous deux? Monsieur, où irai-je encore, monsieur? Votre fille, elle est tout pour moi. Tout ce que j'ai maintenant, ça vient d'elle. Elle est spéciale. Je suis content que tu les reconnaisses. Oui, merci. Ben, je dois m'en aller maintenant. Ok. Jeune homme, on se voit plus tard, ok? Merci, monsieur. Prenez soin de vous. Continuez à bosser dur. Merci, monsieur. Bon. Ok. On se voit plus tard. Hein? Oui. Prends soin de toi. Merci, monsieur. Oh, boss. Et où sont les restes de maçons? Ils sont à l'intérieur. Ok. Ah, c'est pas facile. Devons-nous avoir peur? Quoi? Peur? Oui, à propos de ce que ce monsieur a dit. Oh, non, 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 ne t'en fais pas. Il n'y aura pas d'excuse. Si ça bloque, on change une autre équipe. Tu ne me comprends pas. Je ne parle pas de ça. De quoi parlais-tu? Ce que je sais de te dire est que ce projet est vraiment grand. Et tu n'as pas peur que quelque chose peut tout gâcher? Regarde, laisse-moi te dire exactement. Oui, ok. Je suis fait pour ça. Je suis prêt pour la guerre. Livre-moi une bataille. Je suis sûre que tu as aimé. Oui, j'ai vraiment aimé, merci beaucoup. Pas de problème, t'inquiète. Okay. Hé, hey, ça c'est mon homme. Allez, fais-moi un câlin. Comment tu vas? Bien, et toi? Ah, en forme. Qu'est-ce que tu caches derrière toi? Rien du tout. Laisse-moi voir. Oh, rien. Laisse-moi voir, tu l'as emmené pour moi. Gentil garçon. Oh. Ok, j'apprécie. Merci beaucoup. Oh. Merci. Je sais que tu es très occupé à l'intérieur, donc je te laisse tranquille. D'accord, okay? À bientôt. Ma promesse aujourd'hui au... Pas de problème. C'est vrai, Evelyn, c'est bon. Vous voulez sauter sur mon nez? Qu'est-ce que c'est? Hé! Hey! Hé! Hey! Oh! Thompson t'a acheté tout ça. Qu'est-ce qu'on a oui. là? Waouh! Tout ça pour toi. Donc il n'a apporté que pour toi seul. Oh, Angie. D'accord, c'est bon. Oh, tiens ça. On va le partager. Ah, là maintenant tu parles. Toi vraiment. Je prends des verres. Tu veux le garder juste pour toi-même. Et toi là, remets-moi ça. Oh. Hey, tu commences avec. Où tu as mis ça? Hey. Yeah.
Ce n'est pas ce genre de travail que j'attendais de toi. Comment tu ignores où se trouve ton employé à cette heure? Ce n'est pas ma faute, directeur. Il n'arrive jamais à temps et il est vraiment insubordonné. Mais c'est toi son directeur. Ah, boss. Il a dit à tout le monde dans l'agence que vous êtes sa connaissance. Alors personne ne peut rien lui faire. Parce qu'il est de ma famille, la compagnie devait tomber en faillite. Ça va. Priscilla, ils vivent trop bien. Vraiment, tu vis dans une belle maison. Quoi dire? Tout ça n'est que Dieu. Evelyne, c'est Dieu. Et bon, j'ai fini de coudre ta robe. Et je me suis dit que je devais te l'emmener moi-même. Va l'essayer d'abord. Oh, pardon. Mais tu m'avais pris la mesure il y a maintenant 4 mois passés. Ah, je suis sûre maintenant que ce n'est plus de ma taille. Tu as ajouté combien de kilos? C'est juste une feature. C'est vraiment joli. C'est vraiment ta taille. Tout ça, n'est-ce que de feature? Ok, je vais essayer ça. Donc tout le pas, nous avait cousu le même modèle. Waouh. Waouh. Et comment tu me trouves donc ça? Ça, tu vas très bien, c'est bon. Ça va. J'ai l'air de qui? Ça va trop bien. C'est vraiment joli. Tu es toute belle là-dedans. Merci. Tu brilles. Ah, merci, ma cocotte. Alors, où est ton mari? Nous l'avons pas vu depuis que nous sommes là. Thompson est parti à son travail. Tous les jours, il ne fait que travailler. Hein? Même un samedi? Hé, Priscilla, tu deviens folle. Quoi? Qu'est-ce que ça fait? Ah, ah! Comment peux-tu permettre à ton mari riche et élégant de jouer avec tes petites filles? N'as-tu pas peur? Pourquoi avoir peur? Thompson ne voit jamais ailleurs. Alors, d'où est venu tout ça? Oh, je vois. Si j'avais un mari comme le tien, je m'attacherais physiquement à lui et je le suivrais par assez. Tu as toujours quelque chose de mal à dire à propos de ce jeune homme. Auparavant, quand il était pauvre, tu disais qu'il vivait avec Priscilla à cause de l'argent? Mais non, qu'est-ce qui te fait dire ça? N'est-ce pas vrai? Evelyne, colle-lui la paix. Et toi là, occupe-toi de tes oignons. Et s'il voit ailleurs, c'est quoi ton problème? N'est-ce pas que c'est un homme? Ah, changeons de sujet, s'il te plaît. Quand est-ce que vous pensez quitter l'atelier de cette dame et embrasser vos propres business? Priscilla! Priscilla, répète ça encore. Répète ça. Si seulement je pouvais avoir 5000 ganas cedis aujourd'hui. 5000 ganas cedis. J'allais commencer avec mes propres affaires et quitter chez cette sorcière. Je suis sûre qu'Ang va me suivre. Pardon, je ne veux pas parler. Je ne dirai rien. C'est à cause d'un 5000 ganas cedis que vous faites de votre vie un enfer? Oh! Ok. Voyons voir ce que je serai en mesure de faire. T'as dit que tu vas nous aider? Evelyne, laissons le temps. Ok, je ne vous promets rien du tout, mais voyons voir. Ah, ok. Pas de quoi. On doit voir. Oh, Thompson est de retour. Bébé. Oh. Salut, ça va? Bien. Je t'ai amené quelque chose, chérie. Oh, merci. Regarde ça. Oh, Thompson, merci infiniment. Je t'en prie. Merci. Laisse-moi le mettre ici. Par terre. Comment va mon bébé? Très bien. Que lui dise.
Bien. Oh, et ton travail? Pas mal. Tu sais, c'était juste le week-end, j'ai pas beaucoup travaillé là. Bon, je suis à l'intérieur. Quand tu vas finir, tu vas me rejoindre, ça va? D'accord. Je peux évacuer tous ces colis d'ici. S'il te plaît, fais-les. Ok. Bon, je te verrai plus tard. Ok. Ah, Thompson, c'est chaque jour qu'il n'arrête pas avec ses surprises. Hé, hey. Priscilla, est-il toujours fâché contre moi? Thompson, mais pourquoi? Mais il ne m'a même pas adressé la parole quand il est venu, comme s'il ne m'a pas remarqué. Ça sous-entend qu'il est fâché après toi? Est-ce qu'il s'est adressé à Evelyne? Répète-le encore. Angie, tu passes toujours à travers. Priscilla, on doit partir. Maintenant même? Vous savez quoi, vous êtes de mauvais amis. Dites-moi un peu, pourquoi vous ne me rendez pas visite? Priscilla, c'est pas de notre faute, le travail. Non, non, ma chère. Taximan, qu'est-ce que c'est? Comment tu peux parquer ta voiture devant ma résidence? Hé, hey, monsieur, débarque ta voiture. Ça va pas chez toi? Hé, quoi? Pourquoi tu cries comme ça? Pourquoi? C'est quoi ce comportement? Papa, je suis désolé. C'est sans le stress du travail. Stress? Es-tu sûr? Ouais. Mais papa, que faites-vous ici? Vous avez parcouru cette longue trajectoire du village sans pour autant même me donner un coup d'appel. Vous devez quand même me signaler de votre arrivée. Ça, c'est quel genre de question? Pourquoi suis-je ici? Hey! Donc un père ne peut plus visiter son fils. C'est ce que tu essayes de me dire? Regarde, j'ai pris soin de toi. J'ai supporté tes études depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Te voilà gradué. Omata Okita, je suis ton père et je le resterai. Dis-moi un peu, est-ce que ma présence t'embête? Oh, Thompson. Hé, hey, papa. Nini. Pourquoi toutes ces paroles? Ok, allons à l'intérieur. Va. Va libérer ces chauffeurs. Je n'ai rien ici. Donne-lui quelque chose. Ça fait combien? Aide-moi à descendre ces colis. Précis, s'il te plaît, fais entrer la voiture. Sans quel genre de viande comme ça? Ah! Ça c'est un poulet. Ou une viande de chat. Et Moussounio et Lengi. Pour ça qu'on dit comme Zaté. Oh! Manger c'est bien. Manger c'est bien. Maintenant c'est le tour des pastèques. Papa, finis d'abord de manger et tu parleras après. Oh, ne t'inquiète pas à propos de moi, je peux faire tout cela en même temps. Je peux parler lorsque je mange, je peux manger en parlant. Non, la vérité est que, auparavant, je croyais que mon fils était un vaurien. Oh oui, mais à ma grande surprise, il ne l'est pas. Il est intéressant.
Mais ce qui est sûr, il a changé. Je ne pouvais jamais croire qu'un jour mon fils deviendra intéressant. Je n'arrive pas à croire ça. Hey! Thompson a changé. Des pauvres en riches. Waouh! Hein? Oh, ça m'a dit, je suis un peu plus de temps. Dis-moi, as-tu déjà vu un père sorcier? Sur cette terre, jamais. Peut-être, pour les mères, si tu observes très bien, il y en a quelques-unes. Mais pas ta femme. Tu es une très belle femme. Tu as vu comment tu es devenue? Elle a changé ta vie. Hmm? Regarde comment tu es beau. Oh mon Dieu, Thompson. Il y a de ces femmes, lorsqu'elles viennent dans votre vie, elles vous apportent une bonne chance. Et cette femme, c'est elle qui t'a apporté cette bonne chance. Hein? Cela veut dire que tu dois prendre soin d'elle. Comme ta femme. Ma fille. Tu écoutes ce que je suis en train de lui dire? Très bien, papa. Reste là et dis-moi, j'écoute. Tonwin. Je suis en train de te parler. Ah, c'est ton problème. Parce que tu m'as donné à manger, tu ne veux plus me répondre. Ne t'inquiète pas, mon fils, j'ai compris les messages. Thompson. Ha! Cet enfant. Ha! Donc, parce que tu m'as donné à manger, tu ne peux plus m'adresser la parole. Tommy! Alors, comment ça s'est passé? Super! Il ne s'est rendu compte de rien. Écoute, je l'avais filé jusqu'au shop. Mais il a vraiment l'air d'un dur à cuire. Merci beaucoup, je vous apprécie du fond de mon cœur. Vas-y, continue, nous sommes encore au début. Et si tout marche très bien, tu seras beaucoup récompensé. Et après? Ou t'as besoin d'autres choses qui vont te permettre à mieux le faire? Non. Écoute, je ne sais pas trop la raison pour laquelle tu cherches à gâcher à tout prix ce si beau mariage. J'ai travaillé avec Thompson depuis de très longues années, c'est un type bien. Il ne mérite pas ça. Sa femme est au courant de la situation? Non, elle est enceinte. Oh, Jésus-Marie Joseph, mais pourquoi te chantes-tu vraiment à briser leur mariage? Elle m'a volé mon homme. L'homme que je voulais me marier avec, elle est tombée enceinte de lui. Oh, je vois. Tu n'as encore rien vu. Priscilla m'a volé mon homme. Elle doit payer pour ça. Oh. Ok. It's been the I know that you know that. You love me. Anything that I think before I say, before I wake. Cool to fall out of me, young girl. You chose me to be your girl. Oh God, is this real? Out of me, young girl. You chose me to be your girl. Oh God, is this real? You show me true love. S'il vous plaît, bonjour monsieur. Êtes-vous monsieur Thompson? Ouais. Ok, j'ai un colis pour vous. S'il vous plaît, signez ici. Ok, ça ira. Merci monsieur. Merci beaucoup. Show you why I love you too.
Cause you know I can do whatever, wherever and ever. You are my treasure. Forever you and I will live together. Boy, I wanna be with you. Tell me anything I will do. For you I'll be a fool. I feel brand new and I'm with you. Boy, I wanna be with you. Tell me anything I will do. For you I'll be a fool. I feel brand new and I'm with you. Come to me, play with me, love with me. Been big with me, walk with me, marry me. Live with me, have babies with me, grow with me, die with me, cause you are a blessing. God, this is my Thanksgiving. You know, I feel ashamed to have someone like you, and I have you. You show me, you show me true love. Qu'est-ce qui cloche? Sérieusement? C'est moi que tu te demandes? S'il y a un sadoma? Thompson? Tu es allé qu'il osait me demander? S'il y a un sadoma? Je suis désolé, mais ce sont des stress du boulot. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien du tout. Je vais juste te poser une question. Tu es sûr qu'il n'y a rien que tu veux me dire? Non. Et pourquoi? Rien du tout. C'est juste que j'aurais souhaité ma mort parce que je connaîtrais la raison. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu me sors des vrais signes? Non. Oublie, ne t'en fais pas. Je suis désolé de crier sur toi. Je ne le ferai plus jamais. Tu m'as pardonné? C'est fait. Approche. Mais ça, c'est quel genre de cuisine comme ça? Qu'est-ce que je vais manger? Agile.
Bakani Singai Nazazoba. Je connais tout ceci. Et ça s'appelle encore quoi? J'ai oublié le nom, mais je vais le manger quand même. Qui est le père de ce bébé? Dis-moi maintenant, qui est le père de ce bébé? Hé, hey, Miliki na Miliki. Ezo tanga lokola. Eloko nini. Ça y est 40. Somo. Il est temps. Dis-moi qui est le père de ce bébé, sinon je te chasse de chez moi. Hein? Hein? Femme stupide! Stupide! Comment tu peux être prostituée? Sale prostituée! Idiote! Imbécile! Thompson! Ça c'est quoi? Thompson! Oh, Bouzobani! C'est comme ça que je t'enseigne? Papa, pardon, restez en dehors de ça, ça ne vous concerne pas. Ne me dis pas de rester en dehors de ça! Ce ne sont pas tes affaires. Si ça, ce ne sont pas mes affaires. Dis-moi maintenant, sur cette terre, où se trouvent mes affaires? Ne me dis pas ça! Tu as un problème dans la tête? C'est à cause d'elle que tu es comme ça? Sans elle, qui serait Thompson? Hein? Réponds-moi. Hein? Tu allais être qui? Elle a fait de toi ce que tu es. Aujourd'hui, tu as le courage de porter ta main sur elle. Tu es fou. Tu n'es rien sans elle. Thompson. Thompson. Ah! Ma fille. Zoba et Doula Mobali. Ma fille, s'il te plaît, mets-toi. Tu sais quoi? Tu n'as pas à t'inquiéter. Thompson est mon fils. Je le connais bien. Ne t'inquiète pas, sois calme, ma fille. Hein? Il est juste troublé. Hein? Il n'y a qu'une seule bonne chose en lui. Nous sommes ici pour le découvrir. Attendons voir. Thompson. Je ne sais pas. Ce qui se passe? Olobi. Qui ne sait pas? Ok, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Désolé, hein? Lève-toi, allons-y. Je ne sais rien. S'il te plaît, ma fille, ça ira. Lève-toi, s'il te plaît. Je suis là. C'est fini. Du ciel. Touche pas. Je vais marcher comme toujours. D'accord, laisse-moi dresser ta table, ok? Dégage. Laisse-moi tranquille. Thompson, tu t'es saoulé. Tu n'avais jamais touché à l'alcool auparavant. Thompson, mais qu'est-ce qui cloche? La femme la plus méchante que même une personne ivre, c'est la femme qui ne sait pas réfléchir comme toi. Quoi?
la vraie personne ivre et imbécile, c'est cette femme qui ne sait pas réfléchir. Comme toi. Voilà ce qu'il y a. Je ne me rappelle plus du nombre d'années que je dis en ton après ces moments. C'est pas juste. Je ne devais pas faire ça. Thompson? Thompson, que comptes-tu faire? C'est pas juste, je ne devais pas tricher. Es-tu sérieux? Thompson, donc du fait que tu as étanché ta soif, tu veux retourner auprès de ta femme? Oh non, ne me dis pas tout ça. Seigneur, je ne saurais pas. Non, non. Il y a un truc qui ne va pas. S'il te plaît. Tu vois. Ça va? Je suis désolé, ok? Hey, c'est fini. Viens, approche. C'est fini, cesse de pleurer. S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule. Non, t'inquiète. Ne me laisse pas. Ok. Ok. Tu fais quoi là? Bonne nuit alors. Moi, bonne nuit. Thompson. Oui. Thompson, c'est à toi que je m'adresse. Thompson, pourquoi tu me traites de la sorte? Qu'est-ce que je t'ai fait du mal? Ah. Qu'est-ce que je fais cette fois-ci? Thompson, l'autre fois, tu es revenu saoulé. Aujourd'hui, tu y es rentré après minuit. Ça, ce n'est pas toi. Qu'est-ce qui ne tient pas? Qu'est-ce qui arrive? As-tu vraiment besoin de la paix? Tu viens à peine de dire que j'étais rentré tard. Au lieu au moins de me laisser dormir, tu viens encore ajouter un problème. Écoute, si ton accouchement approche, ne me dérange pas s'il te plaît. Je suis très fatigué, je vais dormir. Thompson. Thompson. Tu oses me traiter de la sorte? Avec cette condition? Oh, Thompson. Après tout le sacrifice que je fais pour toi? Oui. Et qu'est-ce que tu crois? Après avoir couché avec cet homme, et tu as eu le courage de me le présenter comme ton oncle?
S'il te plaît, ne m'énerve pas davantage. Tu as compris ce que je te dis? Tu écoutes ce que je te dis? Comment tu veux? À l'instant, tu me traites de prostituée. Qualifie-moi de prostituée. Appelle-moi prostituée. Traite-moi de prostituée. Thompson! 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 I can't hug you anymore. I can't talk to you anymore. Nor a handshake. My feet trembled down and my heart ached. I wanna know what's at stake. Can someone please tell me what's straight? If it's my life, then God, please take. One Kwame beats. Yes. Ray of the music. My heart is bleeding and will keep on bleeding until we meet again. No pain, no gain. They say, my heart is bleeding and will keep on bleeding until we meet again. No pain, no gain. I wish I could go with you. I wish I knew the way. Someone please take me there. Take me there. You got me to be strong and bold. When I'm lost, you show me the way to go. You protected me from evil thoughts. And those who wanted to eat my meal, you delivered me. Thompson, j'avais écouté quelque chose hier et je ne suis pas du tout content. Je ne peux pas permettre tout ceci. Pour que vous me preniez? Regarde, s'il y a quelque chose, d'ailleurs, moi-même je reconnais tous les sacrifices que cette fille a fait pour toi. Et toi aussi, va te juger si tu continues comme ça. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Pourquoi tu ne peux même pas raisonner avant de lui faire du mal? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, où est Liboma? Oh! Papa. Papa, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu as vu un autre homme coucher avec elle? Oui. N'importe quoi. Pourquoi tu mens comme ça? Ah! Est-ce que vous avez vu? Même si elle a fait ça, nous sommes tous des humains. Et elle peut commettre une erreur comme toi et moi. Ah, qui sait? Peut-être elle a fait tout ceci pour toi. Je te rappelle, elle porte ton enfant. Si tu fais quelque chose de stupide, mon fils, attention. Attention! Elle prend ton bébé, oh! Pardon, papa. Demande-lui d'aller chercher le père de cet enfant. Demande-lui de retourner ce bébé d'où il vient. J'ai bien écouté ce que tu as dit. Oui. Je viens à peine de faire mon entrée à la maison. Toi, je te demande de sortir de cette maison maintenant. Je te rappelle. T'as commencé la folie? Oui, je suis fou. C'est pourquoi je te demande de sortir de cette maison maintenant même. Je ne vais pas bouger d'ici. Je trouve que tu délires. Tu n'iras nulle part. Je ne bougerai pas d'ici. Tu n'iras nulle part. Oui. Attends, tu vas voir. Thompson! 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 Tommy! Papa, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, ma fille. Je reviens juste de l'hôpital.
Tommy? Thompson. Thompson. Hé, hey, Thompson! Je t'ordonne de quitter cette maison maintenant. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tommy? Tommy? Allez, sors de cette maison. Tommy, Tommy, écoute-moi. Papa, pardon, laissez-moi, pardon. Tommy, arrête ça. Hé, hey, Thompson. Allez, tu vois que je suis enceinte. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Allez, tiens. Thompson, dehors. Arrête ça. Arrête ce que tu fais. Laissez-moi, papa. Arrête ça, je t'ai dit. Et tu es content maintenant? Oui, je suis heureux. Je suis heureux, je ne veux pas la voir dans cette maison. Si vous estimez que vous n'êtes pas content de cet acte, vous n'avez qu'à la suivre. J'irai. Oui, je t'ai dit. Tu comprends ça? J'irai avec ma belle-fille et te laisser seul dans ce tombeau. Non. Au revoir. Arrête de te lamenter. Écoute, je sais que quelqu'un a fait quelque chose à mon fils. Ça, c'est pas ton son. Je le connais. Mais qui? Qu'est-ce que je lui ai fait? Ok, il a trouvé les preuves qu'il était en couche avec un autre homme. Moi? Ah. Comment est-ce possible? Ah, s'il te plaît, ma fille, épargne-moi tout ça. Ah, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit. Hein? Ah. Je l'ai vu avec mes propres yeux. Arrête de mentir, arrête de mentir. Pas toi. Papa, je prends le ciel à témoin et je joue sur la grossesse que je porte que je n'ai jamais vu la nudité de notre homme à part celle d'être ensemble. C'est donc pour ça qu'il se déchaîne de la sorte. Ça ira, ma fille. Ça ira. Oh, Thompson. Toutefois, trouvons-nous un taxi pour aller, je ne sais pas moi. Parce que je ne peux pas rentrer chez vous. J'avais déjà bouffé l'argent de ce locataire. Mais comment? Je n'ai rien sur moi. Hein? Je n'ai même pas un centime dans mon sac. Et je n'ai nulle part où aller. Mais Thompson m'a laissé traîner dans la boue. Hey! Tu veux dire, tu es pire que moi? Hein? Mais pourquoi devrais-je te suivre si tu n'as rien comme argent? Moi j'ai une maison. Ah, si je savais que tu n'as rien, je n'allais pas te suivre. Je suis fou. Parce que je ne peux pas rester enfamé. D'autres fois. Ah, allons-y. Dieu va nous aider. Hein? Allons-y. Il n'abandonne jamais les siens. Allons-y. Allons-y. Angie, il est mort finalement? Non. Je vois qu'ils ont fait appel à un médecin. Il sera guéri. Oh, ne me raconte pas la suite, je vais suivre ça. Dépêche alors. Evelyne? Oui? Tu attends un visiteur? Non. Ben, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. I grew weaker every day in your heart. I used to stay, now I can look this way. I grew weaker every day. Que fais-tu ici? But here I am, alive and away. But as we turn and sleep, I'm falling in the lake. Your love was real, natural, not fake. Now you are gone, and will not come back again. Est-ce que tout va bien?
imbécile. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je l'avais dit. Je te l'avais dit, Priscilla, de ne jamais faire confiance à elle. Les hommes, ils sont tous le même, mais tu me faisais la sourde oreille. Je n'arrête pas de l'aimer. Libouma, tu es une folle. Tu es vraiment une grande folle. La ferme. Juste tais-toi. Pourquoi tu es si cruelle? Je ne fais que dire la vérité. Assez. Tu as toujours souhaité de briser cette relation. Maintenant que c'est brisé, tu es contente, n'est-ce pas? Moi? Oui, toi. Sors de ma maison. Hein? Sors de ma maison. Tu me chasses de chez toi. Je dis sors de ma maison. Ok. Tu peux t'en occuper. Je suis sûr nombreux d'entre vous vont se demander pourquoi. J'avais une très belle femme, mais je l'ai chassée. Laissez-moi enlever cet équivoque. Ma femme que vous connaissez m'a tapé dans le dos avec un homme que je considérais comme son oncle. C'est vrai, c'était très pénible. Je ne pouvais pas les digérer, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné une créature très spéciale, une très belle créature. Alors pour nous réjouir tous à cette nouvelle aventure, je suis prêt à goûter au nouveau succès de ma vie. Ma très belle fiancée, Sandy. Pour Sandy. Pour Sandy. Savourez cette soirée très chère. Oui. Soyez à l'aise. Tout ce dont vous aurez besoin, dites-le moi. True love. Send me, girl. I'm looking that you love me, everything that you do for me. Many, many girls I see. I'm worried you leave me, cause it's so easy to sex for a girl like me. I'm looking that you love me, everything that you do for me. Many, many girls I see. I'm worried you. Papa, bienvenue. Papa, bienvenue. Suis-je la seule personne ici? Tu ne vois pas d'autres personnes avec moi? Papa, pardon. Ne venez pas m'insulter. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Je ne suis plus un petit garçon. Ah, comme je dis, bienvenue. Et soyez à l'aise. Bien. Concernant ce qui s'était passé dans ta maison l'autre fois, nous sommes ici pour demander pardon. Nous sommes tous humains. Et ce ne sont que les humains qui commettent les erreurs. Elle est venue ici avec nous. Pour te dire qu'elle est désolée, nous pensons que, puisqu'elle porte ton bébé, tu devrais quand même oublier cette histoire et lui pardonner parce qu'elle mérite au moins ça. Désolé, tu m'as vraiment désolé. Fiché la trouille. Salut, ça va? Je veux bien, et toi? Très bien. Que prépares-tu? Ton plat adoré. Vraiment? Ouais.
Non, dépose. Quoi encore? Dépose, attends. Ne me dis pas que tu n'as pas faim. J'ai plutôt faim de toi. Oh. Ok, très bien, très bien. Quoi? Sais-tu ce que je ferai pour toi? Non. Vas-y, crache les morceaux, s'il te plaît. Oh. Bon, ok, ok. Allez, vas-y, parle, okay. S'il te plaît. Je vais offrir le plus grand mariage jamais. Jamais cette cité-là a déjà vécu. Pour toi. Oui. Bébé, t'es vraiment sérieux? Je jure. Oh, bébé. Hé hey! Oh, Moussobani. Hein? C'est quoi ça? Hé, hey, regarde-toi. Je peux même te jeter là-bas, tu vas te cogner au mur. Je peux vous tuer tous les deux. Et le monde va manquer deux personnes stupides comme vous. Oui. Thompson. Thompson. Osez encore. Allez-y. Papa, qu'est-ce que c'est? C'est ça que tu appelles femme. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Barre-toi de mon chemin. As-tu vu ça? Lorsque vous vous mettez à parler comme ça, évidemment, c'est comme ça qu'elle va agir. Oh, quoi, donc tu la défends? Non, papa, ça c'est exagéré. Regardez-moi ça. Yep. Je vais t'offrir le plus grand mariage. Bébé, t'es vraiment sérieux? Quoi, c'est Wansé? Dis-moi d'abord, tu proviens de quel village? Qu'est-ce que c'est? Viens voir ce que quelqu'un m'a envoyé. Hé, mais qu'est-ce que je vois là? Hé, est-ce du réel? Viens voir, tu vois, étrange, les réseaux sociaux. On aura tout vu. C'est vraiment pour cette raison que je n'aime pas trop m'imprégner dans des réseaux sociaux. J'en ai pour une minute. Ok. Alors, où en étions, non? Chai, j'ai plus d'unités. J'arrive, je vais chercher les unités. Je ne saurais plus télécharger. J'arrive. Tu m'accordes 5 minutes. À tout à l'heure. T'as besoin de quelque chose? J'en veux bien. Ok. Hey, qu'est-ce qui m'arrive? Ah!
t'arrive. Mon Dieu. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Oh mon Dieu, je ne sais pas. Hé bébé. Le bébé. Le bébé. Sois calme. Allô? Allô? Oui, s'il vous plaît, je nous sais. Avons une urgence, s'il vous plaît. Il y a une femme enceinte qui est en train de crier. Oui, prenez l'adresse. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, je vois le sang! Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon Dieu? Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Calme. Oh mon Dieu! Bébé, ce type est vraiment comique. Ok, encore. Un instant, je reviens. Maman? Oh mon bébé. Oh mon Dieu. Oh, maman. Regarde-toi. Maman. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Oh, maman, tu m'as vraiment manqué. Comment va tout le monde? Ils vont bien. T'es sérieuse? Tu m'as manqué. Toi aussi. Oh, ma fille. Maman, tu sais quoi? Oh, raconte. Je suis très contente de ta visite. Thompson, je te présente la femme qui m'a enfantée. Wow. Bienvenue, maman. Merci. Je peux vous embrasser si ça ne dérange pas. Pas de problème. Merci. Maman. Bébé, laisse-moi t'apporter un truc à boire, maman. D'accord. Ta présence me fait énormément plaisir, t'as pas idée. Je reviens. D'accord. Comment a été le voyage? Pas mal du tout. Prenez pas place. Mal. Je dois avouer que ton endroit est magnifique. Merci beaucoup. Pas de quoi. Bon, on se débrouille. Oh, je vois. Bon, même pas 500 millions dans mon compte, donc je n'ai rien. Je me débrouille. Ouh. Donc ça va. Je dois vraiment avouer que cet endroit est magnifique. Je suis impressionnée. Merci, maman. Non, merci à toi. Même pour ton hospitalité. Je suis ici juste pendant quelques jours et tu as déjà beaucoup fait pour moi. J'en suis reconnaissante. Maman, vous n'avez encore rien vu, oh. Je disais à ma femme à mes côtés ici que demain nous allons vous accompagner quelque part. Et vous allez choisir une voiture et moi je vais payer. Waouh. J'ai toujours rêvé avoir un jaguar. Bouzo babosoto. Oh. Nalobi bouzo babosoto. Oh. Je suis ton père, ne l'oublie jamais. Tu commets une erreur, je t'ai dit. Oui. Tu sais, parce que je suis gentil. C'est pour cela que tu me négliges. Tu commets une erreur, petit. Attendons voir. Va lui acheter cette voiture. Vas-y. Vas-y. Tu as l'argent. Et tu veux te faire voir les deux pensées comme tu veux. Vas-y. Va lui acheter. Papa. Papa. Ne te rends-tu pas compte que tu nous pompes l'air? Hein? Si mon très cher mari décide d'offrir une voiture à ma maman, de quoi tu te mêles? Tu as le courage de parler. Parce que je ne t'ai jamais giflé. Hein? Tu auras ça. Au Banfou. Donc aujourd'hui, tu commences à acheter des voitures pour des personnes. Toi, toi. Un jour, tu étais venu chez moi pour me demander de l'argent. J'ai supporté tes études. Depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Et c'est comme ça que tu me remercies. Hein? Moi, ton père, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Réponds-moi. Et aujourd'hui, tu vas acheter une voiture pour une étrangère. Madame Nayo, elle vient à peine d'arriver. Allons-y, je vais t'acheter une voiture. Maman, crois-moi. Si seulement tu n'étais pas vaillante, mon père n'allait pas être vivant en ce moment.
Les hommes ne méritent pas de confiance. Si tu ne gardes pas tes yeux fixés sur eux, ils te poignarderont sur le dos. Maintenant, écoute-moi très bien. Maintenant que c'est toi la femme dans cette maison, fais vraiment de tout ton mieux d'acquérir plus de biens pour toi avant qu'il ne se passe quelque chose. D'accord? Arrête d'agir comme un petit enfant. Sois sage. Utilise ta tête. Toute femme qui entre dans un mariage doit être en mesure d'amener des biens dans sa famille. S'il y a un reste, ça reste pour ton mari et sa famille. Maman, tu as vraiment raison. Oh, bien sûr. Mais j'ai du pain sur la planche. Qu'est-ce que c'est? Le père de Thompson. Maman, ce vieillard est un dur à cuire. J'allais juste arriver là. Fais tout ce que tu peux pour convaincre ton mari de lui chasser hors de la maison. Pourquoi vous ne le faites pas vous-même? Pourquoi vous ne me chassez pas? Connaissez-vous la personne qui a construit cette maison? Vous voilà là en train de planifier comment s'emparer de ces biens. Savez-vous comment ces biens ont été amenés ici? Et la personne qui a donné toute sa vie pour ces biens, vous la connaissez? Et voilà là une grande femme en train de planifier avec cette petite sorcière pour s'emparer des biens de mon fils. Regarde, pourquoi tu ne chasses pas ta propre fille? Et maintenant tu vas épouser mon fils pour mieux hériter les biens de mon fils lorsque tu vas les tuer. Papa, on ne t'a pas invité ici, alors rentre là où tu étais. Écoute-moi petite, si je te giflais... Hein, papa? Mais giflais, ose et tu rentres tôle. Regarde, si tu ne la fermes pas, hein, tu auras ça sur ton visage. Dégage. Tu as oublié, je t'avais dit, je vais t'empoisonner. Moi, je vais t'empoisonner. Et je vais violer ta mère ici. Oui, je t'ai dit. Je vais te violer. Maman, viens. Je vais violer ta mère. Si je ne le fais pas, donc je suis impuissant. Je vais la violer. Boisez ma kouaka. Vous êtes là à l'aise. En train de planifier comment tuer mon fils. Et voler ses biens. Vous n'avez pas honte. Hein? Je jure, si vous osez faire ça, je vous montrerai qui je suis. Vous allez quitter ici. Attendons voir. Pourquoi tu ne convainc pas ton mari de les chasser? Mais viens me chasser toi-même, non? Evelyne, bienvenue. Merci. Quoi de neuf? Priscilla, j'ai une mauvaise nouvelle à propos de Thompson. Qu'est-ce qu'il a? Il a connu un accident grave. Il a eu double fracture de jambe. Oh mon Dieu! Madame et Monsieur Thompson, je dois vous laisser. Tenez, vos produits sont là. Êtes-vous sûr que ça va m'aider, docteur? Bien, c'est possible. Mais attendons juste les résultats. Pour le moment. Aie toujours la foi et continue avec les produits. Tu iras bien. Ok, je dois bon. Partir. C'est bon, très bien. Merci, docteur. Oui. Oh, je vois que tu prends très bien soin de mon beau-fils. Oh, je vois que tu es rétablie. Merci, maman. C'est ça, maman. N'eût été votre fille, je suis sûr, je serais mort à l'heure actuelle. Oh. Evelyne, t'es vraiment sûre? Bien sûr, je ne peux pas blaguer avec des problèmes pareils. Alors, où vas-tu? Lui rendre visite, bien sûr. Ah, Priscilla. Bref, je suis venue vous dire au revoir. Je retourne chez moi. Oh, déjà? Oui. Tu connais ma boutique et tu connais mes travailleuses. Si je les laisse seules, là, c'est vraiment me mettre en faillite. C'est vrai? Ouais. C'est bon alors, maman. Ok. Rassure-toi de prendre soin de lui. Sans faute. Qu'il se rétablisse. Et toi aussi, écoute-la. Bien sûr.
Parce que lorsque je reviendrai, j'aimerais te voir en bonne santé, ok? Merci, maman. Allez, ma chérie. Bye bye. Prenez soin de vous. Je te passerai un coup de fil. D'accord. Okay. Bye bye. Bye. Est-ce que ta tête va bien? Comment peux-tu être aussi stupide? Après tout ce que ce bâtard t'a fait, tu as oublié que tu viens de perdre ton bébé? Écoute, Evelyne, entre Thompson et moi, il n'y a plus rien. Mais alors, il demeure mon ex-mari. Je ne peux pas le délaisser comme ça. Si tu le peux, tu peux le faire. Laisse ce bâtard payer ses peines. Comment peux-tu être aussi stupide? Après tout ce qu'il t'a fait? Ah, je n'arrive pas à croire. À plus tard. I wanna be with you. But I know life's not possible. Might be one day. So don't you worry, baby girl, 'cause I did for you. I said, baby. Hé, me voici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais appris que tu avais eu un accident. On m'a attaqué. Par qui? Tu as des comptes à rendre à quelqu'un? Je n'ai pas de comptes à rendre à qui que ce soit. Sur mon chemin de retour, les bandits m'ont tapé derrière au cou. Je n'ai jamais connu une telle douleur de toute ma vie. Je compatis. Ça va aller. T'as déjà mangé? Oui, mais depuis le matin, parce que ma femme... Je suis désolé. Laisse-moi te faire à manger. Allô? Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Ok, très bien, bye.
ouais. Bon, c'était des bons moments. Hein? Oh oui, tu as raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais perdu le bébé. Je le sais. Est-ce qu'on peut arrêter avec? Priscilla? Stop! Priscilla? Arrête-toi! Ne peux-tu donc pas coller la paix à cet homme? Est-il vraiment le seul homme dans ce monde? Il a dit qu'il ne t'aime pas et qu'il ne veut plus voir ta tronche. Ne peux-tu pas le mettre dans ta crâne? Tu as quoi, Sandy? Pourquoi tu te comportes comme ça? S'il te plaît, tais-toi. Tais-toi et laisse-moi en finir avec cette voleuse de mari. Hé! Hey, qui est-ce que tu qualifies de voleuse de mari? Fais-le bien, toi. Tu n'as pas les sens de respect, hein? Ou c'est parce que tu m'as vu venir ici? Comme tu ne sais pas te faire respecter, je ne te permettrai pas de le faire sur moi. Sinon quoi? Réponds, sinon quoi? D'ailleurs, dégarpille de ma maison tout de suite. Oh mon Dieu, maison. Elle a dit maison. S'il te plaît, redis-les. Est-ce que tu sais au moins comment cette maison a été achetée? Sais-tu vraiment qui est-ce qui a construit cette Priscilla, maison? Priscilla, je m'en fous de tous ces serments, ok? Parce que je me suis déjà enracinée. T'as pigé? Tu es une vraie salope. Tu l'as trahi. Non, écoutez, dégage de ma maison, prostituée. Écoutez-moi. Dégage. Je vais te battre. C'est que je t'en fais. C'est bon, d'assez de toi les sortir. Tu devrais mieux. Va-t'en. Sinon, tu vas devenir fils qu'à la fin. Je vais te dire arrête. Silence, taisez-vous. Je ne sais plus avoir la paix dans ma propre maison. Disparaissez devant moi, maintenant. Je ne vais plus répéter. Elle aussi doit se casser d'ici. Pétasse. Traînez. Priscilla, va-t'en. Sandy? Sandy! Of course, hearts like hellfire. They discounted the monster. They never come permit the rest. Cause I be the best. Nigga, for that I trust. So I'm a little bit in the chest. For me to the test, I'm a pastor. Bienvenue au Flash Info de ce soir. L'information qui a capturé l'attention de tout le monde ce soir est que l'immeuble d'un multimillionnaire qui vient d'être créé récemment, le garde-meuble de Eaton est en flammes. Selon les employés, le feu a été causé par une installation électrique et cela a commencé au coucher du soleil. Les pompiers sont sur les lieux, éteignant le feu et voulant procéder au déclenchement. Merci. C'est bon. Apaise-toi. Ha ha ha.
Entrez, c'est ouvert. Oh, salut. Hein? Docteur, prenez place. Sandy. Merci, Monsieur Thompson. Sandy. Oui, bébé, j'arrive. Le docteur est là. Oh. Bonjour, docteur. Salut, Madame Thompson. Bienvenue. Que je vous sers un truc à boire? Non, ça va. Ça roule, bébé? Oui. Bien, comme je vous avais promis, de vous faire rapport de tous les diagnostics des examens, les examens demandés, pour voir le degré de la fracture, les résultats sont là. Bébé, tu dois vraiment être fort, ok? Dieu est le maître du temps et des circonstances. Hein? Pas la peine de te rappeler, tu le sais. Je suis là, bébé, et je ne vais pas te laisser en clan. Calme-toi, ok? Pourquoi? Pourquoi moi? J'ai été pauvre toute ma vie, juste quand j'ai commencé à gagner quelque chose. Alors je ne sais même pas voir un héritier qui va me succéder. Je sais, bébé. Je le sais. Mais je ne te suffis pas. Hein? Écoute, je te fais la promesse d'être toujours là pour toi. Ok? Alors, tu te sens rassurée? Très bien. Laisse-moi aller cuisiner un truc à manger. Ok. Merci. Tommy, pourquoi? Pourquoi, Tommy? Oh, Seigneur, Seigneur, Tommy, pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Non, 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 Tommy, non. Et Tommy, il fallait au moins attendre que... Papa, pourquoi toutes ces larmes de crocodile? Qu'y a-t-il? Rien. Tout va bien. On m'avait dit que tu es mort. Mais regarde-moi ça, tu es en vie. Ah, maintenant tous mes plans sont foutus. Au moins, si c'était vrai, j'allais hériter quelque peu de tes biens. Mais c'est bien que tu sois en vie. Maintenant que je sais que tu n'es pas mort, je vais annuler la commande de ce cercueil. Papa, donc vous cherchez ma mort, n'est-ce pas? C'est ce que vous cherchez, n'est-ce pas? Ne m'en veux pas. J'ai appris ça, c'est pour cela que je suis venu. Mais tu sais que c'est moi qui dois d'abord mourir.
Tu dois m'enterrer avant de mourir. Papa, papa, tu es un vieillard sans cœur, le sais-tu? Comment peux-tu rester planté là en souhaitant la mort de ton fils? Écoute, ce genre de choses ne vont pas se produire. Amen. Excuse-moi. Amen. C'est quoi ça? C'est quoi? Na, pardon, restez en dehors de mon problème conjugal. Je ne resterai pas en dehors de tes problèmes conjugaux. Si seulement tu avais écouté tout ce que je te disais, tu ne serais pas maudit. Mais maintenant, regarde-toi, tu es maudit. Cette femme, c'était ta malédiction. Et tu as le courage de me parler au lieu de la chasser. Regarde-toi maintenant. Infirme. Laisse-moi toucher. Tu es en train de faire fuir ta jambe. Idiot, tu es maudit. Un jour, tu te rappelleras de ce que je t'ai dit. T'inquiète, mon ami. Tu vois cette femme-là. C'est une malchance. Retiens ça. Jeune fille, que faisais-tu là-bas? J'ai dit, que fais-tu avec ma gourde? Quelle gourde? Cette gourde, ça m'appartient. Je l'avais achetée au village. Je l'avais achetée avec mon propre argent. Tu n'as pas le droit de la toucher? Papa, papa, tu chacasses trop. Je n'ai qu'un seul souci. Je m'en fous du fait que tu sois le père de mon mari. Je veux que tu dégages d'ici. Moi sortir de cette maison. Exactement. Est-ce que... papa, c'est le contrat qui va se faire. Je vais te voir, toi, en dehors de cette maison. Parce que ça appartient à mon fils. Et ça appartient à mon mari. Ton mari. Oui, papa, c'est la maison de mon mari. Ozali Boma. Mon fils, mon unique fils, a une femme légitime. Et j'ai plus de droits dans cette maison, plus que toi. Oui. Et qui est cette femme? Tu me demandes si c'est qui? Tu le sauras bientôt. Oh, c'est donc cette prostituée que tu appelles femme? Tu peux l'appeler comme bon te semble, mais c'est elle la femme légitime de mon unique fils, Thompson. Et sors d'ici, laisse-moi prendre ma gourde. La prochaine fois que je te verrai toucher à ça, tu verras. Hé! Hey! Donc, tu veux me tuer avant de quitter cette maison? Tu veux me tuer? Oui, papa. Hein? Papa? Écoute-moi, ça c'est mon dernier avertissement. Je t'ai vu hors de ma maison. Donc, oh mon Dieu. Toi, hein? Toi, tu vas voir, tu veux me tuer avant de partir, hein? Toi, tu vas quitter cette maison.
Toi, Sandy, hein, tu es la malédiction de toute une génération. L'incarnation du diable. Avancez, avancez. C'est bon, je veux partir. Ne me touchez pas. Oh! Vous, laissez-moi! Laissez-moi tuer cette femme! Laissez-moi! Sortez! On y va! Mettez-les à la porte! Papa, j'ai déjà vu le contenu! Je ne vais plus te voir chez moi! Je vais te punir, toi! Papa, regarde! Prends tes chaussures! Si tu es vraiment sénon, oserais mettre tes pieds ici! Tu es une sorcière, toi! Sandy? Ouais? T'as vu papa? Je l'ai cherché partout, je ne le retrouve pas. Non, je ne l'ai pas vu. Vraiment? Ouais, laisse-moi le vérifier dans sa chambre. Mais c'est étrange. Tu dis quoi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Sandy! Sandy, je suis foutu! Mon petit porteur! Mon petit porteur a connu un crash. Oh mon Dieu, pourquoi tout ceci m'arrive? On m'a demandé de parler aux responsables de la compagnie et aussi les familles de toutes les victimes. Et de ce fait, le gouvernement a décidé de mener des enquêtes pour clarifier le cas de cet accident. Peu importe la portée des enquêtes qu'ils auront à faire, nous n'aurons pas à nous en faire. Il faudrait que tu comprennes la situation dans laquelle tu es en train de traverser en ce moment. Oui, le directeur divisionnaire qui s'en occupe nous a tenus au courant. Nous sommes parfaitement au courant. Il faudra qu'on puisse introduire nos plaintes, cherchant les finances pour que nous puissions faire le suivi, sinon nous n'aurons aucune considération. Et si nous perdons le procès au tribunal? Je vais pas te mentir. On va pas perdre. Les employés ont porté plainte de la rupture illicite de leur contrat. Et ils sont impayés à plusieurs mois de cela. Le conseil que j'ai à te donner, Thompson, fais de ton mieux pour en finir avec ces dettes et essaie de t'en sortir avec le peu que tu auras.
Alors merci. As-tu d'autres questions à poser? Je n'ai pas de questions. Je pense que je dois partir. Oui. Je suis déjà en route. Je serai là d'ici peu. Sandy, tu vas quelque part? Oui, bébé. J'ai une réunion vraiment très importante avec les amis, donc voilà pourquoi je dois filer. Vraiment? Oui, donc on se voit plus tard, bébé. Est-ce que je peux avoir mon déjeuner? Tu peux l'amener ici, dehors, parce que j'ai vraiment faim. T'es sérieux? Ça ne peut pas attendre. Un instant. Écoute, bébé, c'est une réunion très, très importante. Tu ne peux pas la rater. Ok, juste va à l'intérieur et à mon retour, je te cuisinerai un truc très délicieux, ok? Patiente, bébé. Une chose de plus. Ne va pas te balader, ok? Génial. Oh, j'allais oublier. À plus tard. Allô? C'est bon, j'arrive. Je suis déjà en route. Ah. Thompson, Aiko, tu te débrouilles vraiment à merveille. Donc, tu n'as pas voulu patienter ne serait-ce que 5 minutes avant que tu ne fasses appel à cette sorcière dans ma maison? Hein? Qu'est-ce qui se trame ici? Je m'en vais. Ah, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Oya, du balai. Tu es une vraie voleuse de mari. Qu'est-ce que tu es venue fabriquer ici? Et compte à toi. Je me rends compte que toutes les atrocités qui t'arrivent dans la vie, tu le mérites bien. Tu es un homme vraiment répugnant. C'est à moi que tu parles comme ça? Ah! Mais Thompson, qui es-tu? Et honnêtement, qu'est-ce que tu peux vraiment faire? Tu n'es rien d'autre qu'un pauvre et misérable infirme. C'est ce que tu es. Sandy! 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 Je suis désolé. C'est pas grave. Je m'en vais. Sandy? Sandy? Sandy, je t'appelle! Oh, ton sort! Je ne suis pas une sorte! Tu peux me faire un repas spécial? J'ai vraiment faim.
Je te demande de me trouver un repas consistant. J'ai faim. Tu veux un repas consistant? Alors, qui contient ta tasse? Du poison? Si tu tiens vraiment à ce repas consistant, alors tu feras mieux d'appeler cette dégénérée pour qu'elle vienne cuisiner pour toi. Tu as eu ce que tu voulais. C'est quoi ça? Sandy! 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 Thompson, tu n'as pas toujours mangé? Peu importe. Ce que tu vas manger aujourd'hui, du fait que tu le mérites. Je sors un peu. Ma condition n'est pas éternelle. Vas-y, entre, bébé. Waouh, c'est vraiment très joli chez toi. Sérieux? N'est-ce pas que je te l'avais dit? Oh, bébé. Vraiment, elle est très belle, ta maison. Assis avec tes éloges. Ça, salut. Je dis sors. Sors ton corps de chez moi. Je te demande de sortir de ma maison maintenant! Je te revois plus tard, chérie. Ok, c'est bon, bébé. À plus tard, ok? Thompson? Tu vas bien? As-tu perdu la boule? Hein? Qui t'a vraiment donné la permission de mettre à la porte sur mon ami? Qui t'a donné cette permission? Tu amènes ton concubin dans la maison et tu as le courage de me parler comme ça? Te parler ainsi. Et qui es-tu? Je vois un homme sans valeur devant moi qui a le kilo d'ouvrir sa bouche. Nya, nya, nya. Sans valeur? Oui. Merci beaucoup. Tu es une femme ingrate. C'est plutôt toi, ton son, qui est ingrat. Toi, tu as foutu ta très chère femme hors de cette maison. Ose encore. Je reviendrai prendre le reste de mes bagages. Tu peux rester seule. Sandy! Je suis maintenant rassasié. Ok, ça c'est la toute dernière que tu avales. Après quoi c'est fini? Bravo! Je vais te demander une chose. Ok.
Je suis à ta disposition. Je demande ton indulgence. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Tu sais que ce n'était pas moi. Et tu me connais depuis très longtemps. Thompson, il y a longtemps que je t'ai pardonné. C'est de l'ancien temps. Nous devons maintenant penser à l'avenir et connaître le plan de Dieu pour nous. Tu n'as jamais demandé. Quoi? Tu n'as jamais demandé pourquoi je t'ai accusé de m'avoir triché. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Vas-y. Sona fele mona sena pompa mi mi kida masona fele hiduna demuda mi ya fina serule biga ina demaya ya tala rotika atika boy kito fire and run boy stajule barna busa mi kida masona fele guna ina heita content this never rock dead semi ya fina move ata ina demuda many people know is everyone in a club then is that them mama free now yeah you not know that can't start a probe in a higher in a hood big leg follow ladder why me a money can make it a matter all of them know in a room big leg follow ladder why me a money can make it a matter all of them know in a room Big thing going well for me, blow, one blow, one blow, roll it up. Make them a son of in a heart, just not stylish, agent public. Me come like a fire, burn off his new down one. Me member say you need me all day longer. Where pretty lady show me why you got focused. You finna win in a them on a club, a baby. Roll it up, make them a feel you hot. Be a big girl, make it up. Why do you make it a mafura? All of them are no winner. Be a big girl. Why do you make it a mafura? All of them are no winner.
J'y jure que c'est du montage. Je sais. C'est-tu qui m'a donné ces photos? Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Mais ça ne peut pas être possible. Evelyne était la seule à être présente. Cette nuit-là. Et elle prenait des photos avec son iPad. Et un individu les avait prises pour en faire un objet de chantage. Evelyne et toi devraient faire très attention quant aux amis que vous fréquentez. Je dois aller prendre bain. Docteur, nous sommes heureux que vous ayez bonne mine. Oh, sois la bienvenue. Comment puis-je t'aider? Comme je vous avais vu par au téléphone, voici mon mari, Thompson. Oh, Thompson, comment vas-tu? Je vais bien. Bien. En fait, viens, mets-toi. Je vous en prie, merci. Tu ne te mettras pas? Ok. Ah, allons-y. Eh bien, nous pensons que vous pouvez faire quelque chose pour nous. La guérison, c'est entre les mains de Dieu et ma fille. Je te conseillerais d'être forte et patiente. Dieu a opéré des miracles plus que ça. C'est rien pour notre Dieu. Donc sois forte. Ton mari s'en sortira. Une minute.
Je te conseillerais de laisser ton mari ici. Qu'il reste ici pour quelques jours. Je vais commencer les traitements. Ok? Très bien. Je dois déjà commencer à partir pour apprêter son repas. Ok. Le cas de ton mari n'est pas si grave. Il va s'en sortir. Tu dois vraiment tenir le coup, ok? Ça va marcher. Oh, c'est toi ma fille. Ah, je ne savais pas. Tu sais, je ne comprends pas. Après tout ce que Tommy t'a fait, tu es toujours là pour l'aider. Pourquoi? Après tout ce qu'il t'a fait, tu continues à l'aider? Ma fille, je ne te comprends pas. Et attends, est-ce qu'il est là? Papa, Dieu merci que tu sois venu. Je l'ai ramené chez un traditionnel. Ça demande qu'on ait un peu d'argent pour payer sa facture. Est-ce que tu peux avoir quelque chose? Moi, l'aider avec l'argent. Parce qu'il doit se faire traiter. Oh oui. Ma fille, ta tête ne fonctionne pas bien de fou. Tu as aussi un problème. Tu parles de moi. Hein? Est-ce que c'est moi qui l'avais envoyé d'aller épouser cette sorcière? Tu ne m'as jamais compris. Oui, tu ne m'as jamais compris. Oh, papa. Papa quoi? Ah! Cet idiot! Il peut mourir. D'ailleurs, c'est déjà un homme mort. Je ne suis pas fou pour dépenser de l'argent pour un homme mort. Laisse-moi tranquille. Ça demande de l'argent. Alors? Ma fille, tu ne raisonnes pas bien. Dis-moi, tu as quelque chose à manger? On verra ça après, on doit t'apprendre. Ne m'en fais pas surtout. Papa, viens avec moi. Papa, viens. Ah. Comment tu vas, mon ange? Salut. Je vais bien. Je crois que ton docteur maîtrise bien son traitement, car le mélange de boissons qu'il me recommande de prendre sont très sucrés. Vraiment meilleurs. Bien sûr que oui. Maintenant, là, tu dois manger. Devine, qui est-ce que je vis aujourd'hui? Qui? Ton père. Je ne sais pas bien rapporter ce qu'il a dit, mais il a la rage contre toi. C'est tout le monde. Sauf moi. Tout ce qui nous arrive a une raison. Dieu sait le seul et pourquoi. Je suis sûr que nous allons prendre notre envol très bientôt. Au moins toi tu l'as dit. Je lui dis. N'est-ce pas que c'est un bel endroit? Je sais. C'est pourquoi je t'ai venu voir ce paysage, juste l'admirer. Comme c'est splendide. Tes propos me convainquent qu'il y a un truc qui ne marche pas. Parce que je n'ai pas besoin de ton argent. Je sais que tu veux m'impressionner avec ton argent, mais j'en ai pas besoin.
Ok. Alors dis-moi, que veux-tu? Alors, qu'est-ce que c'est? Vas-y, dis-moi. Waouh! Ouh! Alors, qu'en penses-tu? Sérieusement, bébé. Ok. Écoute, j'ai un très grand chèque. Et c'est là dans une banque très réputée de notre pays. Ok? Alors, arrête de te tracasser, ok? Ok. Très bien. Oh! Qu'en penses-tu? Tu l'apprécies? Oh, tu as intérêt. Parce que je le fais uniquement pour toi, bébé. Alors, pourquoi ne pas passer à autre chose, bébé? T'en dis quoi? Arrête. Thank you.
We all wear masks, everyone, every day. Sometimes we wear them so much and forget who we really are. And sometimes if we are lucky, someone comes along and shows us who we really are. Oh, who we should be. We all wear masks, everyone, every day. Sometimes we wear them so much and forget who we really are. And sometimes if we are lucky, someone comes along and shows us who we really are. Oh, who we should be. That's the time you fall in love, when you meet that special one. That's all you ever want in your life, every second, every minute, every day. That's the time you know it's you. You realize you alone could do every little single thing by yourself in your love. That's when you are in love. Love, love, love is in the air. Love, love, love is in the air. Love, love, love is in the air. In the air, in the air. Love, love, love is in the air. Love, love, love is in the air. Love, love, love is in the air. In the air, in the air. When this happens, you feel so secure. Cause you are confident in your love, you give your all but expect nothing at all. They are all you think of, cause they make you feel so great. Even when there's nothing to live for to them, you are up, so you don't even notice when you fall. In their eyes, you are a winner. Even if you've lost, they give you all you want. Oh, when they come along, you feel nothing can go wrong, cause they show you more and more blood. That's why I'm singing this song. Oh, when they come along, you feel nothing can go wrong, they show you more and more blood. That's why I'm singing this song. Love, love, love is in the air. Love, love, love is in the air. Love you one every day. J'ai des bonnes nouvelles. Pour ton information, ils ont fini avec les enquêtes de ce crash et les dommages de cet accident te seront remboursés en entier. Quoi? Oui, tout ce que tu voudras. Ils peuvent t'acheter un autre avion ou ils te paieront cash par rapport à la valeur de cet avion. Oh. Wow! Mais je manque de mots. Moi aussi. Et encore plus. Et après toutes ces enquêtes, toi tu es indemnisé. Et voilà le chèque. Non, 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 non. Oh mon Dieu. C'est beaucoup d'argent. Ça me dépasse. Ah. Je fais que mon travail, vous savez. En tout cas, grand merci. Merci, Seigneur. Merci beaucoup, mon cher maître. Merci, merci. Merci beaucoup. Ah. Bataille.